Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadit al-Safir al-Fransi Michel Miraillé al-Raïs Sharafi li Rabita al-Thaqafiya al-Fransiya fi Abu Dhabi. سيأتي بعد حين نواب رئيس مجلس إدارة الرابطة السيدة كلير ماتا والسيد سلطان العجي صدر سفير الجزائر كندا لبنان لوكسمبورغ المغرب وسيشيل ضيوفنا الكرام اسمعوا لي باسمي الرابطة ان ارحب بكم في يافا العشاء للاحتفال بالمطبخ الفرنسي. Ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of Alliance Française Abu Dhabi. Although I'm pleased to welcome our English-speaking friends, but sorry for them, our event is going to be entirely in French. But you know, Alliance Française in Albertine is very close and is very happy to welcome you for French classes anytime. Mesdames et messieurs, je souhaiterais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue dans ce magnifique espace du Royal Méridien pour notre gala annuel, ce rendez-vous, le dîner étoilé, auquel vous répondez finalement chaque année. Je vous prie en tout premier lieu de bien vouloir excuser notre président Zaki Nusseibé, qui a été appelé à une autre fonction imprévue et qui ne pourra hélas pas être parmi nous ce soir. C'est en son nom et au nom de tous les membres de notre comité que j'ai préparé ces quelques mots. L'Alliance française est heureuse de promouvoir avec votre aide l'amour de la culture française et son rayonnement. Une culture que nous allons célébrer aujourd'hui à travers la gastronomie et la poésie. La culture, dans toutes ses dimensions, est notre rempart contre l'obscurantisme qui nous menace particulièrement aujourd'hui. Car la culture parle un langage universel qui nous réunit. Ce soir, c'est autour de la table, comme le veut la bonne tradition française, que nous sommes heureux de vous recevoir. Comme le disait Anatole France, la cuisine française est la meilleure du monde. Cette gloire éclatera par-dessus toutes les autres lorsque l'humanité, plus sage, mettra le service de la broche au-dessus du service de l'épée. Quoi de mieux que de se réunir autour d'une bonne table et de partager un repas artistique, saupoudré de belles poésies. Comme vous le savez, notre cuisine française est mondialement reconnue. Elle fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Nous avons ce soir avec nous des grands représentants de cet art succulent, grâce à notre partenaire, le Cordon Bleu, que je remercie beaucoup. Cette grande, immense école de cuisine. Le Cordon Bleu, à Paris, est partenaire de la Fondation Alliance Française. Fondée en 1895, le Cordon Bleu est considéré aujourd'hui comme le plus grand réseau d'écoles de cuisine et d'hôtellerie du monde, avec plus de 35 écoles dans 20 pays et plus de 20 000 étudiants de 100 nationalités différentes. C'est grâce au Cordon Bleu que nous accueillons le chef, M. Éric Briffard, le grand Manitou. Il est le chef exécutif et directeur des arts culinaires du Cordon Bleu Paris. Au-delà de ces étoiles du guide Michelin, il est décoré cette année de la médaille Grand Vermeil, médaille de la plus haute distinction de la ville de Paris. Ça tombe bien, ça me permet une bonne transition. Ouais, je crois. La médaille Grand Vermeil.
Et ça tombe très bien parce que, justement, cette année, l'Alliance française d'Abu Dhabi a reçu une décoration de l'Académie française. Et il s'agit de la médaille de Vermeil. Et il s'agit de la médaille, c'est le Grand Prix 2016 du rayonnement de la langue et de la littérature française. Donc nous avons été, nous en sommes très fiers. Nous en sommes vraiment très fiers. Et pour fêter ça ce soir, nous avons aussi amené en harmonie notre cerise sur le gâteau, poétique, littéraire et musicale, Françoise Fonini. Et Tribu, c'est un projet musical francophone de composition et d'adaptation de poèmes de la littérature française. Entre la chanson, le jazz et la poésie, Françoise nous invite à voyager sur un métissage poétique et musical autour des œuvres incontournables de Verlaine, Baudelaire, Paul Valéry, Boris Vian, Rimbaud, Senghor et bien d'autres. Pour nous servir ce soir un cocktail savoureux, c'est la crème de la crème. Ainsi, nous serons bercés entre la poésie des plats harmonieux du chef Briffard et la délicieuse mélodie poétique de Françoise Fonini et des musiciens de Tribu, pour que cette soirée enveloppe tous nos sens. Maupassant disait, on est gourmand comme on est artiste, comme on est instruit, comme on est poète. Le goût, mon cher, c'est un organe délicat, perfectible et respectable, comme l'œil et l'oreille. Nous sommes très heureux d'avoir cette année le Royal Méridien comme partenaire pour cet événement exceptionnel. Je les remercie très fort avec tout le staff du Corps d'Armée, du Royal Méridien, dans cette magnifique salle. Et nous sommes également enchantés d'avoir la participation de sponsors, de partenaires. Je préfère partenaires que sponsors, c'est des partenaires parce qu'on est ensemble, qui contribuent à faire vivre notre activité et participent ainsi au rayonnement de la culture française. Je remercie très fort Total, Thales, Gray McKenzie pour ses vins, Pascal Tepper pour ses pains, Air France aussi, qui nous a aidés. Et un tout nouveau partenaire cette année, depuis quelques jours, c'est la société Renault, avec Almasol. Je n'oublie pas également tous nos partenaires et amis habituels qui nous soutiennent toujours, l'ambassade de France et l'Institut français, la Sorbonne, le French Business Group, l'UFE, Mercure Hotel, Novotel, les Forces Armées, Abu Dhabi Accueil, et il y en a tellement. En fait, le problème, c'est que vous êtes tous là, et vous êtes tellement nombreux que je ne pourrais pas tous vous nommer, donc je vais m'arrêter là. Merci à tous, en tout cas, d'être là avec nous et de participer en venant avec nous pour faire ce rayonnement de notre culture. Merci pour votre venue et votre participation. Natamana Lakom, Chaya Tayeba, ou la hadat momtia. Certaines.